Alors, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent. Il faut savoir que le naturopathe n'est pas un médecin bio. Le médecin est un spécialiste de la maladie et le médecin va tuer la maladie avant que la maladie vous tue. C'est juste capital. Mais le principe de la naturopathie et des autres médecines traditionnelles comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise, c'est justement de prévenir la maladie. C'est ou de faire en sorte que mon corps puisse lui-même naturellement lutter contre la maladie. Donc, en naturopathie, on ne cherche pas le facteur pathogène, on cherche plutôt pourquoi mon corps a laissé le facteur pathogène s'installer. Si je suis en pleine forme, je ne serai pas touché par la grippe. Si je suis fatigué, déprimé, j'ai beaucoup plus de risques d'avoir la grippe. Donc en naturopathie, on va regarder qu'est-ce qui fait que mon corps laisse rentrer la maladie et comment faire pour le renforcer. Ce qui fait que si mon corps est plus fort, il guérit naturellement ou il tombe beaucoup moins malade. Et pour des pathologies dont on ne peut pas se débarrasser, eh bien en général, on se trouve avec un meilleur état d'énergie pendant la maladie. La naturopathie s'appuie sur quatre bases, sur quatre axes de santé qui sont très importants. Le premier, c'est ce que je mange. Si je mange des aliments de qualité, mon corps peut se constituer, se réparer, se régénérer, fonctionner à fond. Et donc, je garde la bonne santé. Si au contraire, je prends des aliments qui sont sans vie, sans vitamines, sans minéraux, ben, petit à petit, mon corps se dessèche, fonctionne de moins en moins bien et je tombe malade. C'est exactement comme dans ma voiture, si je mets de l'essence de qualité ou si je mets du diesel russe, eh bien, ma voiture avancera beaucoup moins vite avec du diesel russe. Le deuxième point, c'est l'inverse. C'est au-delà de ce que je fais rentrer, c'est ce que je fais sortir. Nous vivons dans un monde qui est tellement pollué qu'il est indispensable très régulièrement d'éliminer les toxines. Donc en naturopathie, nous focalisons particulièrement sur toutes les méthodes pour éliminer les toxines. Alors il y a des organes qui sont spécifiques, notamment le foie, les reins, la peau, les poumons. Et donc nous faisons en sorte que ces organes fonctionnent toujours au top. Là encore, pour reprendre l'exemple automobile, c'est un peu comme quand je fais ma révision et que je nettoie le filtre à air et le filtre à huile et que tout de suite ma voiture respire mieux, fonctionne mieux. Le troisième point, c'est l'hygiène. Je dirais physique, l'activité physique qui est très importante. Mon corps a besoin de bouger pour être bien. L'être humain ne s'use que si on ne s'en sert pas. Vous prenez un athlète, un cosmonaute, vous l'envoyez dans l'espace. En un mois, s'il ne faisait pas d'exercice, eh bien, il ferait de l'ostéoporose et aurait perdu tous ses muscles, en un mois seulement. Eh bien, beaucoup de personnes, par l'inactivité, se fragilisent, développent l'ostéoporose, le diabète, des problèmes cardiovasculaires, uniquement parce qu'ils ne bougent pas assez par rapport à leurs besoins. Donc le but du jeu n'est pas d'en faire des athlètes, mais de trouver le juste niveau d'activité en fonction des personnes, en fonction des tempéraments, pour que le corps fonctionne le mieux. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de sport pour être en bonne santé, et d'autres qui ont juste besoin d'un peu de sport, voire même du yoga ou des choses comme ça peut être suffisant. Donc le naturopathe va trouver le juste curseur, quel est mon niveau de sport, d'activité que je dois faire. Mais très sincèrement, la demi-heure d'activité physique, qui peut être de la marche ou du vélo par jour, est juste indispensable. Sinon, votre corps va commencer à se ramollir, se faiblir et devenir de moins en moins résistant avec le temps. Le quatrième et dernier point est de plus en plus prédominant aujourd'hui. C'est à la fois le repos. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de se reposer, et à la fois la gestion du stress, parce que beaucoup de personnes se font déborder par le stress. Donc en naturopathie, nous avons toujours un bilan sur est-ce que j'ai un temps suffisamment pour me reposer, pour me ressourcer. Là encore, comme les voitures de course qui doivent faire un arrêt de stand pour que, en même temps qu'on change les pièces, tout refroidit pour pouvoir repartir encore plus vite. Donc le temps de sommeil, le temps de repos, les vacances, les vraies vacances, les vrais week-ends sont indispensables. Et au quotidien, la gestion du stress. Comment faire pour que le stress ne m'envahisse pas? Parce que si le stress m'envahit, je deviens de moins en moins performant, je digère moins bien, mon corps ne se répare pas parce que je suis en position de stress. Et le stress est épuisant à la longue. Et beaucoup de gens vivent le stress tout au long de l'année, des années et des années. Une
Bonne alimentation santé. Alors, c'est une très bonne question parce que ça dépend. Alors, ça dépend des personnes, ça dépend des circonstances, mais il y a quand même des grands fils rouges. Donc, le premier facteur, le meilleur indicateur que votre alimentation est bonne pour vous, c'est est-ce que vous la digérez bien? Si quand vous mangez, vous n'avez pas de remontée, pas de gaz, pas mal au ventre, vous n'avez pas le coup de pompe après le repas, c'est un super indicateur que ce que vous avez mangé va vraiment vous nourrir. Ensuite, eh bien, le premier des nutriments le plus important aujourd'hui, ce sont les légumes. Les légumes, et je dis les légumes plus que les fruits, les légumes et les fruits, mais surtout les légumes, nous apportent les vitamines, les minéraux qui sont importants pour nous protéger de l'oxydation due à la pollution ambiante, qui nous apportent aussi les vitamines, les minéraux pour que notre cerveau puisse fonctionner à 100% tout au long de la journée. Donc, beaucoup de personnes ne mangeant pas assez de légumes ou mangeant des légumes qui sont trop cuits ou mal préparés, eh bien, n'ont pas assez de vitamines de minéraux pour bien fonctionner et ont le cerveau qui commence à ralentir. Donc, ils se retrouvent avec le cerveau des problèmes de mémoire, de concentration, des problèmes d'humeur. Donc, je dirais que l'alimentation idéale contient au moins la moitié de légumes. C'est surprenant, mais c'est vraiment indispensable. Ensuite, ben, ça va être effectivement des protéines de bonne qualité. Végétarien ou non végétarien, ça ne pose aucun problème. Les poissons sont l'une des meilleures protéines pour l'homme. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a tellement pollué notre environnement qu'on choisira plutôt des petits poissons qui font à peu près moins de 30 cm, qui sont en général des petits poissons végétariens qui ne sont pas restés longtemps dans la mer, donc qui n'ont pas accumulé beaucoup de pollution et qui nous apportent des vitamines, pardon, pas des vitamines, des bonnes protéines, des oméga-3 qui sont utiles pour que notre cerveau puisse fonctionner à 100%. Et enfin, les céréales. Eh bien, les céréales devraient représenter la plus petite part de notre alimentation. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne font pas ou peu d'efforts physiques. Et donc, on n'a pas besoin d'autant de calories. Les céréales, c'est des calories. Les céréales étaient indispensables à nos grands-parents qui avaient des professions souvent physiques, qui se déplaçaient à pied, qui n'avaient pas les mêmes conditions de chauffage que nous avons aujourd'hui. Et donc, eux avaient besoin de beaucoup de calories. Voilà, mon grand-père consommait 2 fois plus de calories que moi aujourd'hui, alors que je fais du sport tous les jours. Par contre, moi, par rapport à mon grand-père, je consomme 2 fois plus de vitamines et minéraux parce que mon activité intellectuelle est beaucoup plus intense. Je travaille avec mes clients, j'écris des livres, je regarde sur Internet. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont plus une profession intellectuelle et donc ont besoin de beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc, pour résumer, je dirais, je résumerai l'alimentation idéale. C'est cette assiette idéale que je digère bien. La moitié de ce que je mange en légumes, une bonne part de bonnes protéines, bien digestes. Donc, pour faire un classement, je dirais, je préfère le poisson, puis le poulet et les œufs, puis les autres viandes blanches et volailles, et enfin les viandes rouges de temps en temps, plutôt pour le plaisir. Enfin, la dernière part, la plus petite part de mon assiette, ça va être des céréales et qui seront là que pour le plaisir. Pourquoi? Parce que les céréales nous apportent des calories dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui. Une dernière chose, cru ou pas cru, eh bien, si vous digérez bien le cru, et là ça va être l'été, donc ça va être beaucoup plus digeste, prenez du cru, mais si vous digérez mal du cru, mieux vaut prendre du cuit, mais pas trop cuit, pas surcuit, que vous digérez bien, que du cru que vous digérez mal. Parce que si vous digérez mal, les bonnes vitamines et minéraux que vous mangez, que vous mettez dans votre bouche, ne vont pas dans votre sang, ils vont finir dans les toilettes. Voilà pour moi l'alimentation santé.